Je pense que vous n'êtes pas prêt pour cette lasagne façon bourguignon juste incroyable. Dans une marmite, tu fais revenir ta viande à bourguignon avec un peu de beurre. Tu ajoutes deux oignons émincés finement, deux carottes coupées en rondelles, une branche de thym et de laurier, deux gousses d'ail et de l'ail déshydraté. J'ajoute aussi l'équivalent de deux verres de vin rouge et je mélange le tout avec de la pulpe de tomate pendant 3 heures à feu très doux, ça va cuire. Le but, c'est d'avoir une viande super tendre. Tu peux ajouter aussi un peu d'eau. Ensuite, tu retires ta viande quand elle est cuite. Tu vas la délayer avec deux fourchettes. Tu la rebalances dans ta sauce pendant 10 minutes de cuisson. Et là, on s'attaque au plat à lasagne. Sur une belle couche de béchamel, tu mets tes feuilles de lasagne, ta viande confite et tu réitères l'opération jusqu'au bout. Et pour terminer, tu finis avec quelques tranches d'aubergine sur tes feuilles de lasagne, de la béchamel et du gruyère et t'enfondes pendant 30 minutes à 180 degrés. Et c'est juste un délice, les gars. Faut essayer cette recette.